dans le quartier de Dalongdon à Taipei se situe un petit temple nommé Fushougong, dédié à la divinité du sol, ou Tutigong de son appellation populaire. Comme la plupart des temples à Taïwan, celui-ci dispose aussi d'une très belle toiture ornée de figurines divines et de sculptures représentant les animaux de bon augure. Ce type de sculpture en ciment couverte de fragments de bol en céramique s'appelle en chinois Tianlian, symbolisant taillé-collé. Le maître sculpteur Pan Kunti nous explique qu'en réalité, aujourd'hui, les bols pour la Tianlian ne sont plus les bols ordinaires, mais les bols spécialement fabriqués pour être cassés. Avec une dizaine de couleurs au choix, ces bols disposent de deux épaisseurs différentes. 90% des bols employés sont d'une moindre épaisseur, donc plus facile à tailler. Cependant, de ce fait, ils sont plus fragiles. Après avoir découpé un morceau de bol, il faut le tailler pour obtenir la forme désirée, en l'occurrence celle d'une écaille de dragon. Cette forme de poire, appelée la pêche par les professionnels, est la plus typique et sert notamment à représenter les écailles de dragon ou les pétales de fleurs. Après avoir été soigneusement taillées, les pièces céramiques seront collées sur les prototypes de sculptures comme celui-ci. Ou comme un autre représentant le stratège Jiang Ziya sur sa monture Si Bu Xia qui incarne en même temps quatre espèces d'animaux ou encore le sire tonnerre. Le sire tonnerre est une divinité humanoïde. Il a un visage humain mais en même temps un bec, des griffes et des ailes, comme un oiseau. L'adhésif qui sert à coller les fragments de céramique sur les prototypes de sculpture est un mortier traditionnel à base de chaux et de bouillie de riz glutineux. Pour en produire, il faut d'abord frapper et retourner régulièrement la chaux jusqu'à ce qu'elle dégage une substance huileuse, puis y ajouter la bouillie de riz glutineux dont les éléments solides ont été préalablement retirés. Cette pâte bien mélangée sera laissée à reposer pendant au moins un mois afin qu'elle devienne encore plus adhésive. Durant cette période, il faut y ajouter de temps en temps un peu d'eau pour garder son humidité, faute de quoi le mortier durcira de manière irréversible. Selon Pan Kunti, il faut aussi le tenir à l'écart de la rosée qui peut compromettre la pâte. En suivant Pan Kunti, nous pouvons observer de très près ses œuvres splendides sur la toiture. Grâce à l'émail à la surface des fragments céramiques, les sculptures achevées brillent sous la lumière naturelle. Il y a des soldats, des officiers à cheval, des animaux de bon augure, mais aussi des fleurs, des nuages et des motifs ondulés représentant des algues. Bien sûr, il y a aussi l'incontournable dragon. Au milieu, sur le premier plan, figurent trois divinités symbolisant de droite à gauche le bonheur, la promotion et la longévité que le fils et disciple du maître sculpteur est en train de finaliser. Comme on peut le voir ici, les yeux des trois vieillards ne sont pas encore peints. Par tradition, cette partie, symbole de l'esprit,
doit toujours être laissé au dernier moment.